Bonjour à tous, c'est de nouveau Youn Youn Créa. Donc là, je reviens vers vous pour faire des petites pochettes pour offrir en fait. Donc en fait, on va servir de la récup. Donc en récup, j'ai pris ces petites pochettes là. Comme j'ai pris pas mal de infusions pour dormir, c'est les Normless Doll, mais bon voilà, j'ai pris une petite pochette comme ça. Et en fait, je suis venue la couvrir. Là, j'ai fait un petit fermoir. Et puis après, on met soit des petits tamponnages, enfin vraiment c'est des petits trucs hein, qu'on peut mettre, des petites fleurs. Voilà, pour offrir des petits scrabidules, je me dis ça peut être sympa. Donc j'avais envie de faire ça avec vous. J'ai fait ça depuis déjà un petit moment. Et puis j'ai pas pris le temps de le faire avec vous. Puis là j'avais envie ce soir de faire ça avec vous. Alors, du coup, on prend son petit sachet. Donc ce qu'on fait, on mesure de là. Donc là, ça fait 6,3. Sur la première face, 6,3 sur 5,5. Donc là, on va couper un papier. Donc j'ai envie de faire une comme ça. Alors, est-ce que je fais ce fond-là et puis là, la pochette? Non, je vais faire l'inverse. Donc 6, j'ai dit quoi? Alors moi et ma mémoire, 6,3 sur 5,5. Donc j'ai pris ma petite guillotine. Donc 6,3. Alors 6. Donc là on est à 6, 6, 1, 6, 2, 6,3, c'est à peu près ça. Je pense. Ouais. Voilà. Sur 5,5. Alors, je vais récupérer mon papier après. 5,5. Bon, c'est tout simple à faire. Et puis je dis, tiens, c'est pas mal. Donc là, je suis à 5,5. Voilà. Donc là, bon, j'ai dû me tromper. Ah non, c'est bon. Donc, vous voyez. Voilà. Donc, on va découper tous nos morceaux. Puis après, on n'aura plus qu'à coller. Alors, on va faire l'arrière maintenant. Donc, je ne sais plus comment j'ai fait. Ah oui, l'arrière, j'avais fait l'autre couleur. Une autre couleur. Mais après, je vais faire la même là. Du coup, je vais reprendre mon papier. Donc, avant, je vais couper un morceau de 10 et je viendrai faire un petit pli ou après je plierai. Je vais plier. Donc 10 sur 6,3 toujours. Bon, j'espère que ça va bien. Nous, ça va. Il fait beau. Voilà, on a même eu assez chaud aujourd'hui. Mais bon, c'est pas étouffant, c'est pas orageux, donc c'est bien. Alors attendez, je regarde, j'espère que j'ai mes 10. Moi oui, une fois, oui, c'est bon. Donc 10 c'est là. Ouais, juste, juste, hein. Et 6,5. Donc c'est bien, j'ai utilisé, je ne vous ai pas montré. C'est les blocs, vous savez, fins qu'on a eu chez Action. Voilà. Donc j'utilise ces petits blocs-là. En plus, ça permet de les utiliser. Donc là, 6,3. C'est plus comme ça. Là. Ouais, c'est ça. Et là, ça fera cette partie-là qu'on viendra bien coller et qu'on pliera. Et puis là, alors je crois que j'ai fait aussi à l'intérieur pour que ça fasse plus joli. Voilà. Donc j'ai remis. Donc là, ça fait bien épais, mais c'est pas grave. Donc là, ce que je vais faire, je vais remettre pareil. Donc, on va recalculer. Donc, je mets juste là, hein, pour l'intérieur, juste à la pliure de là, là. Donc, je pars, ça fait 4,5 sur 6,3. Donc, là, faut pas que je me trompe ça. Parce que si je recoupe dans le pas le bon, donc ça, c'est mon bon qui est coupé. Parce que je suis bien capable. Hein. Et ben, c'est juste là. Là, j'avais dit combien? 4. Et là, j'ai juste à recouper celui-là. 4,5. Alors, attendez, que je ne fasse pas de bêtises. Ouais, ça correspond en fait. Non, faut que je recoupe un tout petit peu. 4,5. Alors, 4,5, 4,5. Ben non. Qu'est-ce que j'ai compté, moi? Oh là là! Je fais n'importe quoi. Voici 4,5. Celui-là, il fait combien?
Non, il fait bien les 4,5. Non, il fait bien les 4,5. C'est là que c'est trop... Ouais, c'est légèrement trop long. On coupera après. Donc là, j'ai pas besoin. Et on va faire... Bon, on fera la petite bande après. Ou je la fais. Non, on va la faire. Donc là, je vais couper un morceau. Alors, je sais plus combien j'avais fait. J'ai coupé une petite bande de 1 cm à peu près. Enfin, voilà. Un petit truc comme ça. Voilà. Et puis, je pense que là, ça sera pas mal. Ou ça va être trop court. Non, dans ce sens, c'est trop court. Faut que je coupe dans l'autre sens. Ça. Voilà. Bon, c'est pas grave, ça servira. Je m'en servirai. Voilà. Et là, ça fera la petite languette pour faire sa petite pochette. Donc maintenant, on va coller. Hop, j'ai plus besoin de la guillotine. Je vais la mettre là en attendant. Alors, je vais prendre... Donc, on va commencer à coller nos petits morceaux. Voilà, c'est un petit tuto. Bon, j'avais envie de vous montrer, faire des petites choses simples avec de la récup. Alors après, même si vous avez des feuilles, comment ça s'appelle? Je me demande si là, il n'y avait pas la continuité. Tout à l'heure, j'étais tombée pile poil. Oui, si, c'est ça. Ça continue en plus la feuille, donc c'est super joli. Là, je découperai un peu ce qui dépasse après. Alors, voilà, c'est comme ça. Donc, je trouvais ça assez sympa. Donc là, bah, je vais beaucoup mieux, je dors mieux. Ma fatigue commence à passer. Le sommeil commence à être... beaucoup plus réparateur, donc du coup c'est bon. Donc là je vais plier quand j'aurai collé l'autre. Donc vous voyez, voilà. Et puis là, bah, on a notre petite pochette. Voilà, je décore, je mets pas là, là je préférais quand on ouvre, ça fait plus joli. On va mettre l'autre côté et puis après je vais un peu découper. Là je vais quand même découper ce qui dépasse. Voilà. Donc ça c'est sympa pour mettre dans des petits envois. Donc, quand j'ai vu ces petites pochettes là, du coup il faudra que je me rachète de cette tisane parce que bah, j'aime bien les pochettes et puis elle est bonne en plus. Puis c'est vrai qu'elle m'a fait du bien. Si vous avez des problèmes de sommeil, alors pas la prendre trop tard évidemment, parce que les infusions, si on les prend trop tard, bah, on fait que se lever pour aller aux toilettes. Donc c'est pas trop le but. Alors attendez, j'aurais peut-être dû marquer mon pli un petit peu avant. Je sais plus trop où il est. Bon, c'est pas très grave. Ouais, je sais plus trop où il était. Je pense que je me suis un peu gouré. Ouais, il devait être plus loin. Il est à ce niveau-là. Voilà, que ça fasse joli. Voilà, peut-être marquer le pli avant de coller les deux, parce qu'après on sait plus trop où il est le pli. Donc là, je redécoupe ce qui dépasse. Regardez, ça fait super joli. Petite pochette. Et puis là, je vais venir mettre la petite bande. Avec, alors j'ai mes petits tampons de plaisir d'offrir, là, que j'aime beaucoup. Que je viens... Alors, c'est pas celle-là que j'ai coupée. J'en ai coupé une autre. Elle est là. Donc, on va mettre comme ça. Ouais, j'avais fait un peu plus large les autres. Ouais, c'est pile pile. Hop. Donc là, je viens mettre un tout petit peu de colle. Je viens la coller. Pas que ça soit trop serré, parce qu'après, voilà, pour qu'on puisse la retirer facilement. C'est juste pour fermer notre petite. Et puis là, je viens mettre ça aussi sur... Alors, je crois que j'en avais plusieurs. Ouais, j'avais fait sur du papier plus fin celle-là. Ça va être moins pratique. Bon, c'est pas grave. Mon petit plaisir d'offrir. Donc j'ai juste mis la colle pour pouvoir coller sur la bande, vous voyez. Et puis on peut la retirer et l'enfiler facilement. Voilà. Bon, là si je la remets pas à l'endroit.
Et voilà, la petite pochette est customisée. Enfin, est repris. Alors, j'ai peut-être. Bon, celle-ci, je pense que je vais la laisser comme ça. Celle-ci, j'ai envie de rajouter des petites fleurs. Je vais faire ça avec vous. Une petite fleur de chez Action, comme ça peut être joli. Est-ce que j'en mets une ou deux? Bon, on va en mettre deux. Voilà, après vous décorez, enfin voilà, vous mettez ce que vous avez envie dessus. Parce que mes fleurs, moi, que j'ai faites, je les ai laissées en bas. Parce que j'ai bricolé un peu en bas tout à l'heure. Vous voyez? Très joli. Je vous remontre celle qu'on a fait ensemble. Donc voilà, c'était pour vous donner une petite idée de petites enveloppes, de petites pochettes, voilà, avec de la récup. Donc avec ces petits sachets de thé. Donc après, je pense qu'il y a d'autres. Dans cette marque-là, je pense qu'ils doivent faire les mêmes pochettes. Hein. Donc bah, j'ai fait celle-ci. Donc celle-ci, vous avez vu. J'ai fait dans les tons verts. Là, une autre encore dans les tons verts. Donc j'avais pris l'autre bloc. Voilà. Donc ça, c'est sympa. J'en aurai plusieurs de faites. Et puis ben, je suis bien contente d'avoir fait celle-là avec vous, je l'aime beaucoup. Donc voilà pour mon petit tuto. Donc j'en referai d'autres hors caméra. Et puis c'était pour vous donner cette petite idée, voilà, assez sympa pour mettre dans nos envois. Et puis j'espère que cette petite vidéo vous aura plu. Et puis je vous dis à la prochaine fois. N'hésitez pas à liker, à vous abonner. Et puis scrapez bien. Bye bye!